On vous reverra quoi. C'est bien. Oh, je suis content. Je suis content. Je trouve que le score est absolument fidèle au ressenti de terrain. Donc moi je l'avais dit, les journalistes n'entendaient pas forcément que nous avions un accueil particulièrement prometteur. Oui, mais je crois pas que le nom soit décisif, si vous voulez. Alors c'est vrai que ça m'a permis d'avoir une visibilité que n'ont pas forcément les candidats du Front National, malheureusement. Donc les gens ont pu entendre un petit peu le message politique que j'avais à leur porter. Ils ont pu entendre le fait que je n'étais pas là pour faire le buzz médiatique, ce qui était important, mais que j'étais là dans une réelle démarche d'implantation. C'est vrai que la qualification qui n'était pas prévue de la candidate socialiste complique un petit peu le jeu, mais c'est à moi de faire en sorte de motiver les électeurs parce qu'il y a eu un record d'abstentionnistes et de gens qui votent pour moi traditionnellement. J'ai eu l'occasion de discuter avec certaines personnalités du Parti Socialiste ce matin. Je respecte le parti, je suis une militante disciplinée, mais pour le moment, je ne pense pas que je vais me retirer.